Bonjour, merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, vous êtes ici parce que vous voulez entendre parler de Bakken. Le Bakken, c'est tout souvent oublié. Là-haut, tout le monde parle de joli truc, de fontaines super, des Angular JS, des Dart, des frameworks de présentation. Et assez souvent, les grands oubliés dans tous ces talks, c'est ce qu'il y a derrière le Bakken. La partie où il y a votre métier, le cœur de votre application, la partie qui bouge beaucoup moins, qui est moins sexy quelque part parce que ça se voit moins, mais qui est tout aussi important, voire beaucoup plus, parce qu'il est là pour durer, parce que c'est là que vous avez tout vos données, et parce que c'est ça qui va vous permettre de maintenir votre business, tirer une source de revenus. Le front-end, bah, ça change tous les jours, comme les techniques qu'on utilise. Quand on amarre, quand le marketing amarre, on les jette à la poubelle et on met un nouveau front, encore plus joli, encore plus bling-bling. Le back-end en général, non, donc on a intérêt à qu'il soit solide, bien construit et adaptable aussi. Donc c'est ça qu'on va essayer de parler aujourd'hui. On va commencer par se présenter. Je suis développeur Java et C++ actuellement au Crédit Mutuel de Bretagne. Je suis membre actif du FinisJug ainsi que de la communauté BraceBean. Généralement, on me traite d'obsédé de la scalabilité, d'ayatollah des tests et d'intégriste de la sécurité. Et c'est vrai. Moi, c'est Horacio González. Le petit accent breton que vous entendez sans doute vient du fait que je suis espagnol, mais ça fait quelques années que j'habite à Brest, aujourd'hui dans la pointe de la Bretagne. Je travaille actuellement au Crédit Mutuel, ça durera pas pour semaine, mais actuellement je suis encore là. J'ai créé il y a quelques années, il y a deux ans, les Finisjug, et aussi la communauté Perisbin, de laquelle on va parler ensuite. Vous pouvez me trouver sur mon blog où aujourd'hui il y a un peu de choses à part de ça et je suis plus actif sur Google Plus et sur Twitter. Et voilà. BraceBeans, c'est un peu une suite naturelle de Google. Dans les Google, on s'est retrouvé, on parlait de conf autour de Java, on faisait venir de monde. Merci. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, c'est très bien de faire venir le monde, de montrer des choses, mais tu sais que sommes ici, au moins une partie entre nous, avons aussi des choses à montrer et des trucs à pouvoir faire ensemble. Donc, on a créé une deuxième initiative, qu'on appelait BraceBeans, et on le voit comme une sorte de communauté de développeurs, communauté de développeurs de la pointe de la Bretagne. On est assez agnostique par rapport à la techno, il y a des gens qui font un peu tout et n'importe quoi, surtout beaucoup de n'importe quoi, moi le premier. Et on s'est réunis de façon informelle dans les post-midi, quelquefois dans d'autres voilà, petits moments le soir, pour discuter et montrer ce que. Ah, tiens, les derniers trucs qu'on a vu sur le net, la dernière techno qu'on a testé, les derniers trucs qu'on a décidé de faire pour un petit projet perso, avec aussi cette idée-là de créer une communauté et de les gens à aller plus loin, à montrer une compétence ensemble, à découvrir de nouvelles choses. En gros, à s'éclater dans leur vie de développeur. Travailler sur le back-end, ça a commencé avec un petit projet start-up sur lequel Horacio m'a embarqué. On avait besoin de faire un back-end. On avait plusieurs possibilités. On s'est dit, ben, quitte à en faire un, autant se faire plaisir et directement faire du lourd, même s'il n'y a que 7000 utilisateurs, taillons-le pour plusieurs millions. L'idée de base, c'était un petit projet d'une startup sur laquelle on travaille encore pour un ami. Et lui, il avait besoin d'un site social pour des traductions collaboratives. A priori, il s'attendait à avoir quelques milliers d'utilisateurs. Mais quitte à passer des temps à développer, on a décidé de se faire plaisir et faire un site que puisse, si un jour ça explose, si devient le nouveau Facebook, au moins que la base soit saine. On ne les croit pas, mais au moins la base sera saine. Donc, le back-end. Le back-end, très souvent. C'est ça. On est en Bretagne, vous connaissez les granites et tout ça. Le back-end, on a tendance à les faire solides, à les faire stables, à les faire capables de supporter toute la charge qu'on puisse les jeter. Ça ressemble à un gros rocher de granit. Et ça prend souvent l'allure d'un monolithe. Quelque chose de très peu souple, très peu adaptatif. Et les jours où tu veux faire une autre chose avec.
Et quand on veut essayer de le refactoriser, généralement, c'est là que les ennuis commencent. Et le jour où vous en êtes, vous dire une petite évolution, où on commence à compter un jour de développement, les choses vont mal. Oh, en back-end, si on pose la question, qu'est-ce qu'il doit avoir en back-end, les principes, tout le monde les a plus ou moins clairs. Bon, idéalement, aujourd'hui, ça devrait être relativement léger, ou ça devrait être prêt pour les clouds, c'est très important, mode à la mode. Intégralement testable. Tout le monde dit que ça doit être escalable, au cas où tu passes au journal de France, de France 2 ou pire encore au journal TF1, bah. Mais ça c'est des trucs assez génériques parce que quand tu demandes aux gens, ok, comment est-ce que tu vas le faire? Assez souvent, pas le choix avec ça. On tombe sur des sentiers battus. Bon, bah, on va faire un back-end pour un petit projet. Bon, bah, on va faire Hibernate, un peu de GPA, donc SQL parce que, attends, si on essaye de faire passer des non-SQL, déjà il va falloir justifier pourquoi. Ensuite, on court des risques, on va mettre une bonne couche de web service devant, SOP, parce que tout le monde utilise SOP encore, bon, peut-être un peu de reste qu'il faut faire, ou si tu as un peu plus pour les trouver, les tester rapidement, on va mettre un coup de string crude, comme ça on va pouvoir rapidement avoir quelque chose à montrer. Mais en général, c'est toujours plus ou moins les mêmes réponses pré-câblées, au moins quand on avait parlé autour de nous, bah, les suggestions allaient presque toujours dans les mêmes sens. Le deuxième élément, c'est que ça, déjà au boulot, on en fait pas mal. Alors si en plus le soir, on se met à recoder chez soi, autant se faire plaisir. Et autant essayer d'autres choses, d'autres approches. Tout ça nous a amené que coder le soir, de nouveau sur cette techno, vous essayez de trouver beaucoup mieux. Non, c'était surtout un gâchis. Quitte à passer le temps, autant essayer d'aller plus loin ou essayer d'aller par d'autres chemins. On a dit, on a un cerveau. Au moins, à tous les deux, on a peut-être un cerveau, donc autant qu'on l'utilise. Donc, on s'est dit, ok, on va mettre ça en clair. Qu'est-ce que nous, on veut pour notre framework? Comment est-ce que, sur quel principe on veut qu'il se base? Et à partir de ce principe, on va essayer de faire construire une architecture. L'architecture, elle doit être forcément scalable. C'est quelque chose qui doit être dans l'ADN du back-end. On doit pouvoir l'étendre et ne pas avoir de nœuds et de problèmes lorsque le trafic augmente. Il doit être adaptable parce que ton super framework, ton super back-end qui aujourd'hui va te servir pour ton métier, si ton métier évolue, il faut qu'il puisse évoluer. Si de nouvelles technologies arrivent, il faut qu'il puisse s'intégrer. Si de nouveaux besoins apparaissent, il faut que tout ça puisse être mis dans les back-end sans pour autant devoir passer des semaines ou des mois et sans pour autant devoir tout casser. Il doit être intégralement testable. Aujourd'hui, on doit pouvoir tester tous les composants. On doit maîtriser complètement le périmètre complet de son back-end de façon à prendre le moins de risques en montant en prod. Car le monter en prod, d'ailleurs, ce n'est même pas un événement. Non, SQL. Non SQL dans le sens de not only SQL. Aujourd'hui, il y a des utilisations pour lesquelles il passe SQL avec ses tables, ses relations, sur son modèle de données qui te prend tous les tableaux si tu veux les déployer. Il y a des utilisations pour lesquelles c'est très adapté. Il y a beaucoup d'utilisations pour lesquelles il n'est pas adapté. Un backend qu'aujourd'hui a comme couche de données exclusivement SQL, il est en train de vous forcer à penser d'une façon qui n'est pas la façon la plus adaptée d'un côté. De l'autre côté, il est difficilement escalable. Et en troisième côté, vous vous privez de beaucoup de possibilités. Donc, pour nous, il doit y avoir des stockages de données. Ça peut être des SQL, ça peut être aussi des options non SQL, ça peut être des index de recherche, des caches. Ça peut être une mapadieuse. Par exemple. Et enfin, la productivité. Parce que la productivité est au sens du métier de développement. C'est-à-dire que si les technologies qu'on utilise ne permettent pas de poser du code fonctionnel de manière sereine, on est complètement à côté de la plaque. Et c'est peut-être ce point-là qui pour nous était le plus important. On allait coder le soir, on n'avait pas beaucoup de temps à faire, donc il fallait que ça soit... Si on voulait faire de la tuyauterie, on serait devenu plombier, pas développeur. On veut un back-end qui nous permet vraiment de nous centrer là où on a une valeur ajoutée. Donc, notre premier choix, c'était Apache Swift. Pourquoi Apache Swift? Parce qu'on a beaucoup travaillé avec et il a des avantages. Mais
Vale, Guzmán se quoi ApaSlift? ApaSlift, c'est un projet Apas qui vient qui a rejoint la fondation Apas après que Facebook l'a mis en open source. Et à la base, c'était un projet Facebook pour permettre de communiquer les systèmes hétérogènes. Communiquer les systèmes hétérogènes avec deux choses en tête. La première, la performance. Ça devrait être très rapide. Très, très rapide. Et la deuxième, une description très claire des services et des données. Et sur cette description-là, toute la tuyauterie est faite pour vous. Donc, on ne vient pas de faire la présentation sur Thrift, je l'ai fait l'année dernière. Tout à l'heure, si vous voulez, je vous donne plus de détails. C'est un langage de description. Ensuite, ça permet de générer des codes dans la plupart des langages utilisés aujourd'hui. Et il va générer les modèles de données, la couche de transport, les interfaces clients, les squelettes de serveurs. Sur une implémentation serveur avec I/O non bloquant, ce qui va permettre aussi à ton serveur d'absorber des charges assez impressionnantes et de pouvoir ensuite les partager et les faire escaler de façon très simple. Le tout sur un modèle de données beaucoup plus simple. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'écrire un service SOAP à la main, faire un joli XML. Je crois qu'il y a certains que oui. Je défie à n'importe qui ici à le faire sans un éditeur, c'est lourd. Avec Thrift, tu peux le faire, tu peux le lire, tu peux l'améliorer et derrière, tout ce que tu as généré pour toi. Donc, c'était notre premier choix. Quand on parle d'IO non bloquant, ça veut dire qu'il n'y a plus de boule de connexion entre les front-end et les back-end. Les fonds peuvent se caler, il n'y a aucun souci. Le second choix s'est porté sur MongoDB. On voulait faire du NoSQL. Il y a le support Thrift directement sur Cassandra qui est un autre projet Facebook. On aime beaucoup Cassandra. Par contre, Cassandra n'est pas disponible partout sur les clouds. Donc, on voulait avoir du Cassandra service sur CloudBees ou Cloud Foundry, mais le provisioning n'était pas forcément prêt. Donc, on s'est dit, bah, chouette, on va quand même essayer de tourner avec MongoDB. On va voir ce qu'on va pouvoir réaliser avec une vue, une modélisation orientée document. Et c'est là que les choses ont commencé à se compliquer pour nous. Ok, on a Thrift d'un côté, il va recevoir nos appels, il va modéliser notre modèle. Derrière, on a une base MongoDB orientée document. Comment est-ce qu'on prend nos objets Java générés par Thrift et on les fout sur MongoDB? A priori, la première option qu'on a eue semblait simple. Bon, on va prendre du Thrift. De côté MongoDB, on va transformer ça en Bojo avec Spring Data ou Morphia, et on va les mettre dedans. Par contre, le gros inconvénient de ça, c'est que au niveau de tuyauterie, on voulait en économiser, c'était pas pour en faire. Que la couche de tuyauterie pour recréer des Bojo avec les annotations Spring ou les annotations Morphia était relativement lourd. Donc l'object mapping étant mauvais, on en est rapidement arrivé à ça. Donc on s'est dit, bon, c'est pas trop grave, on a une autre possibilité. MongoDB, un des avantages qu'il a, c'est que ce qu'on veut dedans, c'est des JSON. Ça tombe bien, Thrift, parmi toutes les choses qu'il sait faire, il sait se réaliser vers des JSON. Bon, il y a des types de sérialisation, une avec tous les métadatas, oh non, c'est trop complexe pour notre base, une autre, un sample JSON, qui produit un JSON tout à fait convenable. Oh, chouette, on l'aimait là, on a le lien avec la base. Le problème, c'est que là, avec cette sérialisation-là, on perd tous les métadonnées. Donc, la couche de sérialisation aurait fallu se la farcir à la main et au cas par cas sur tous les cas. Donc, si on a un langage qui nous permet de décrire les données et tout générer, c'est pas pour que dans la désérialisation de la base, on commence à se faire des mappings. Donc, le deuxième élément, c'est que le processeur produit du JSON qu'on demande au driver de reparser. Donc on effectue une transformation pour en faire une deuxième, ce qui d'un point de vue coût CPU est inefficace. De toute façon, bah non, c'était pas là. Donc, une autre fausse bonne idée, on démarrait bien. Donc à un moment donné, j'ai dit, écoute Seb, moi j'adore Thrift, ça va nous épargner plein de temps, mais peut-être c'est pas la bonne solution si derrière on veut mettre Mongo. Moi, je sais. Et comme je suis un peu obstiné sur les bords, je me suis dit, pourquoi on mettrait pas un pont entre Thrift et MongoDB? Créer un nouveau protocole qui serait le TBZone protocole sur un nouveau projet qui s'appellerait le Thrift Mongo Bridge. Alors, le Thrift Mongo Bridge, qu'est-ce que ça fait? D'un côté, on a les idéals, on fait un break.
on utilise Swift pour générer des projets. On a besoin d'un Bison Serializer et des Serializers pour produire et stocker du Bison directement dans MongoDB. Pour avoir fabriqué le Serializer et des Serializers, on a besoin d'un Bison protocole. En gros, on a réécrit un protocole Swift supportant les objets de type Mongo. Et le truc, c'est que comme on a gardé en tête le même esprit que pour tous les autres protocoles Swift, c'est simple d'utiliser, mais un peu trop simple selon chef des fois. On crée notre objet Swift, oh, on va le transformer dans un objet Bison capable de mettre dans la base. On appelle le helper qui va nous transformer de Swift à DBD Object, notre Swift. Voilà la serialisation faite. La deserialisation se fait pareil. Et tout, on a fait une approche qui pouvait s'utiliser pour interfacer Swift avec n'importe quelle structure. C'est créer un protocole pour faire la transformation. Dans l'usage, c'est simple. Par contre, à l'intérieur, en termes de tuyauterie, il y a un tout petit peu plus de monde. Parce que Swift est orienté protocole buffer. Il prend les tableaux de bits et il les suit les uns après les autres dans les couches de deserialisation. Ce qui s'adapte mal à reproduire un élément structuré avec le début, les left brace, right brace, ainsi que tous les éléments structurels qui sont liés au Bison ou au JSON. Donc à l'intérieur du protocole, on a forcément une context stack qui donne des instanciations d'objets qui sont pilés, dépilés en fonction des directives de la couche de serialisation Swift. On s'est bien amusé. On a vous a prévu une petite démo du BriceCamp. Je le ferai. La femme, mais pour résumer, voilà, ça c'est un idéal Swift. C'est simple avec les données. On intègre un string à Tiana, une donnée de type d'événement, une liste, et là ça modélise. Va à une des séances de BriceCamp. On a des services pour récupérer la séance, pour récupérer le programme voilà. Par track, type, par salle, par speaker. Et ça retourne une liste d'événements correspondant aux critères. Simple. Au final, pour faire ça, ce qui est quand même sympa, c'est commencer par écrire des tests. Donc si on veut tester d'avoir des événements, on a besoin de récupérer du programme dans la couche de persistance des événements actuels. Récupérer les événements attendus et les comparer. Toutes les méthodes de comparaison sont disponibles en Swift. On prend deux objets Swift, deux instanciations différentes, les méthodes equals, compare tous les champs avec tous les sous-éléments. D'un point de vue testabilité, tant que vos tests prennent du Swift, c'est extrêmement simple à utiliser. Écrire un DAO, c'est pas beaucoup plus complexe, On va récupérer la collection de la base de données, on va faire notre requête et dans la réponse qui nous est donnée à chacun des événements, on va les désérialiser et on va récupérer donc côté backend notre collection d'objets Swift sur laquelle on pourra travailler, les mettre en forme, agréger, envoyer frontend, faire ce qu'on voudra avec. Donc toute la couche DAO de ce moment-là, c'est une ligne de plus par rapport à si on travaillait directement sur les données de Mongo, sauf que c'est des vrais objets Java avec tous les metadata qui vont bien, capables d'être foutus directement dans les services que Swift nous a générés. Un autre gros avantage, c'est qu'on ne masque pas Mongo. Mongo peut évoluer pour effectuer les recherches sur la partie driver. On utilise toutes les fonctionnalités. Donc on n'est pas lié à un framework, l'interfaçage d'un framework. Si on veut utiliser du MapReduce, on utilise du MapReduce. Si vous utilisez le moteur d'agrégation, utilisez le moteur d'agrégation. L'exemple le plus clair, c'est Mongo, jusqu'à la version 2.3, il ne faisait pas de full test search, il fallait utiliser des expressions régulières. Donc, dans nos tests, on se base sur Mongo 2.2, on ne le fait pas. On installe une base Mongo 2.4, on peut directement dans le DAO modifier la façon de chercher, on a notre full test search sans aucun souci. Et tout ça, ça impacte notre modèle de données, ou quoi que ce soit. Donc, de ce terme-là, on garde quand même la séparation qu'on voulait. On va faire un update. Autre avantage, les objets Swift génèrent en même temps l'intégralité des champs sur lesquels ils sont pour les attributs des objets. Ce qui fait qu'on n'a jamais d'attributs avec des codes de texte, et qu'en cas de refactoring, le code est directement impacté. On change sa structure au niveau de ses IDL,
On demande au compilateur de régénérer en Java, on voit immédiatement quels sont tous les impacts. Et là, on a vu carrément pendant le développement l'utilité de ça. Notre modèle de données qu'on croyait très beau au début des projets a forcément évolué, surtout quand les porteurs de projets disent « Ah, ça serait chouette d'ajouter ce truc-là. » Ou ça, on n'avait pas pensé. Donc, on s'était retrouvé à plein de fois à devoir casser notre modèle, le refactorer, le reconstruire, régénérer tous les, tout via Thrift. Notre modèle change complètement. Ben, le reste s'adapte très bien parce qu'on se base sur les métadonnées. Donc, on n'a pas besoin de toucher beaucoup plus loin que ces régénérations Thrift. Effectuer un scripting, c'est facile. L'objet qui arrive derrière, c'est un objet qui est très proche de la structure. On veut effectuer de l'update directement sur, avec le DB update, aucun souci. On veut effectuer du refactoring en masse d'une collection sous forme de scripting, aucun souci. En termes de gestion des changements, il n'y a aucune rigidité, quel que soit l'endroit par lequel on attaque, ce soit la partie serveur ou la partie base. Et les performances, parce que voilà, tout ça c'est bien sympa. Thrift, on a entendu que c'est performant, mais on dirait que nous l'a testé dans d'autres cadres. Mais est-ce que cette idée-là, avec cette bibliothèque qu'on a créée, tenait la route? Ben là, il fallait tester. Alors, les candidats pour le test de perf ont été Spring Data, Morphia et le Thrift Mongo Bridge. Morphia avait des perfs similaires à Spring Data. Donc on s'est uniquement focusé sur Spring Data et Spring Mongo Bridge. Le scénario de test est l'écriture et la lecture de 500 objets dans MongoDB, chaque objet étant composé de listes et de sets de 500 autres objets. Chaque élément sérialisé faisant 91 kilobits. Les codes, c'est étonnamment semblable dans les approches. Donc là, on voit vraiment que nous n'avons pas ajouté de la complexité. On va créer une collection pour l'écrire, comme je vous ai dit, on utilise l'helper pour passer d'un thrift object à un DB object et on inserte dans la base pour la lecture. On fait un find et on utilise le DBD object to thrift pour récupérer l'objet thrift. Là, il y a le même élément avec Spring Data où on récupère un Mongo operation avec la réparation d'un bill. On lui demande d'effectuer le save d'un objet. Et pour la lecture, c'est un readall en lui passant la nature de l'objet qui est récupéré. Alors, à votre avis, qui gagne? Quelqu'un a une idée? Surtout pourquoi? C'est forcément nous, sinon c'est pas là. Olivier, tu peux montrer les résultats et les chaînes. Pas de corrida? Alors, pour les 500 objets, on a d'un côté en temps cumulé pour Spring, pas loin de 3000 millisecondes en lecture et 2200-2300 pour Spring Mongo Bridge. En lecture, ça se tient à peu près. On est un peu plus performant, mais pas énormément plus. C'est surtout dans les côtés d'écriture que les gaps deviennent plus grands. Et la réponse à la question de Serge, c'est relativement simple. Morphia ou Spring Data pour transformer notre objet Java dans un objet JSON à mettre sur la base, il va faire de l'introspection. Java a beaucoup évolué ces derniers temps. L'introspection, c'est toujours pas très efficace, surtout car notre système, on se base directement dans tous les metadata générés par Thrift. C'est là où Thrift a un autre avantage. Thrift nous génère des polyons, mais des polyons enrichis avec plein de metadata, donc des listes et des maps. Avec tous les champs, tous les noms des attributs, tous les noms des méthodes, on n'a pas besoin de faire de l'introspection, on parcourt une map et on sérialise ces données-là. Donc en termes de vitesse de sérialisation, bah, c'est là effectivement que Thrift, c'est une des choses pour lesquelles il est optimisé. Donc effectivement, on était content de ce qu'on a fait. On a trouvé un joli logo. Il a trouvé le logo, c'est pas moi. L'ensemble est disponible là. En Apache 2.0 et sur le dépôt GitHub de Brightbees. Ouais, ok. Donc on vient de présenter une bibliothèque et quelques principes. Ça tout seul ne fait pas un backend. Donc on avait une idée, on avait des principes, on a poussé un peu plus loin pour arriver à respecter ces principes. On a tous travaillé dans des gros projets pendant peut-être trop longtemps. On a peut-être tendance à avoir
des projets qui sur le papier sont une belle architecture avec des couches bien isolées, avec des communications entre les couches bien claires, les tout avec des PowerPoint très clan-clan et très visionnaux. Et les architectes qui copient. Un peu plus tard dans le projet, ça devient ça. Les couches commencent à avoir des ruptures, et commencent à avoir des petits tremblements de terre. On se rend compte qu'il est beaucoup de moins en moins adapté à la vraie vie. Les visionnaux sont moins traditionnels. Et en fin de projet, ça s'écorce. Ce qui était un bon gâteau d'anniversaire devient une sorte de pudding anglais complètement dégueulasse. Les visionnaux commencent à se manger les uns aux autres et tu te retrouves dans la merde. Mais si tu t'affrontais, ça irait encore. Tu sais que des années plus tard, tu vas les mettre à la poubelle et tu vas partir sur les nouveaux Atomic Yes qui viendra de sortir, que me l'enviera Dart et Angular Yes. Sauf que pour un backend, il n'est pas prévu que dans des années, il le fasse. Donc tu es parti pour vivre avec ça pendant des années. Et ton zombie, il va devoir les modifier, les transformer dans un Frankenstein zombie pour les faire vivre. On voulait pas ça. Un élément, c'est sur le back-end, être layerless. C'est-à-dire que bien souvent, on raisonne en termes de couches. On a nullement raisonné en termes de couches, on a raisonné en termes de buts. On a des packages qui ont des buts, et ces éléments-là, et on les assemble sans règles déterminées. L'élément de base est de combattre contre le phénomène de la God Classes, à savoir l'anti-pattern qui agrège le plus de dépendances possible. Donc du couplage lâche à tous les niveaux, de la testabilité à tous les niveaux. L'exemple classique de ces God Classes pour les vieux, pour les gens que vous ne connaissez pas trop, c'était l'action servlet de Strops. Ce type de choses, on veut les éviter. Et pour les éviter, il faut redonner du sens au code, redonner du sens au package. C'est nécessaire. Donc on va commencer par la partie service. Nos points d'entrée, on voulait des services. Des services qui permettent aux développeurs de ne pas se procéder dans 6000 questions, qui soient relativement claires. Donc on a commencé pour ces services Swift. L'idée, c'est de s'appliquer à d'autres, des services avec une signature stable. Tout service va reprendre un argument, c'est une request. Si cette request a besoin d'être enrichi, ça le sera, mais ça sera toujours un objet request, ça va nous donner toujours un objet response. Cela permet que quand on voit les différents services qu'on propose, tous ont la même formalisation. Après, construire une request pour un service de recherche sera différent que construire une request pour un autre type de service, mais au moins l'estructure sera la même et ça, quand il faudra évoluer, il suffira simplement de changer à minima le modèle de données avec Swift, de les foutre à l'autre côté, mais il y aura toujours l'objet request, l'objet response. L'avantage, c'est qu'avec ça, Swift a une rétrocompatibilité, parce que chaque élément a un indice et un numéro. Ce qui fait que le fait d'ajouter des éléments supplémentaires dans les signatures ne provoque pas de rupture protocolaire. On peut avoir deux versions de protocole qui vivent en même temps, c'est à votre code de s'habituer, et c'est pas. C'est au back-end de s'habituer, c'est pas au client et imposer des gestions de changement, à savoir on fait les MEP et les changements tous en même temps pour faire. C'est surtout quand vous avez plusieurs clients ou plusieurs types d'applications que vous voyez tout de suite davantage. Vous modifiez votre serveur. Swift s'adapte pour pouvoir encore recevoir des requêtes des anciens clients, les nouveaux clients, ils migreront à fur et à mesure, l'ancien aussi. Tant que vous ne cassez pas l'ordre de champ dans la description Swift, le même serveur Swift va pouvoir recevoir toutes les requêtes de toutes les versions précédentes. Donc, on garantit un découplage assez clair. La signature de la méthode est identique. Tout ce qu'on fait, c'est ajouter des champs éventuellement. On peut mettre en prod aujourd'hui, mon client mettra en prod dans 10 mois. Nous, on s'adapte. Bon. Une fois qu'on a intégré ça dans le backend, on effectue la décapsulation des requêtes et des réponses proches des servlets. On en profite pour avoir quelques classes utilitaires pour avoir effectué du log, du monitoring. On a notre business code qui va se retrouver et qui va lui être complètement non structuré, qui va produire des objets Swift qui, eux, descendront jusqu'au nouveau driver, avec la possibilité d'effectuer du read, du write sur l'helper, également des requêtes. On ne s'interdit pas de le consulter en direct si on a besoin. La version de contrôle, bon, là on a eu, au début, moi j'étais beaucoup plus
par traduction côté boulot, Jules et Sébastien plus Spring. À la base, on s'est pris à quelques moments la tête avant de se dire ce n'est pas important. La notion de contrôle, le seul truc intéressant, c'est qu'il soit simple, avec des dépendances statiques, des gestions de dépendances statiques si possible. Le choix se fera selon le projet, on a parti sur un, on verra pourquoi. Mais la base, moins il est compliqué, plus ça reste une gestion statique, plus c'est simple après pour faire la maintenance. On a tous vécu de façon ou d'une autre l'enfer de l'injection de dépendance avant les choix différents, dynamiquement. Et bon, tu as beau reprendre les codes après, tu as beau avoir une idée, tu ne te retrouves pas jusqu'à ce que tu as fait le tour complet de où est-ce qu'on a mis cette classe-là et pourquoi. Donc au final, on a utilisé Spring pour la version de contrôle uniquement pour les premiers tests qu'on a fait sur CloudFrontView et VMware pour profiter des mécanismes de binding de la base MongoDB. Pas de configuration de production, c'est-à-dire qu'on a un WAR et c'est ce même WAR qu'on utilise sur tous les environnements. On voulait faire nos tests sur CloudFrontView. CloudFrontView est structuré autour de l'écosystème Spring. Bon, bah pour nous, le même principe qu'on a aurait pu s'appliquer sur Views ou sur d'autres techniques d'inversion de contrôle, on a décidé de faire au plus simple pour notre besoin. Testabilité, et là on arrive à la partie favorite de Seb, parce que j'entends beaucoup tester, c'est douter, oui, mais si tu ne testes pas, il ne te reste que la foi. Et moi, la foi, je commence à ne plus trop avoir. Concernant la stratégie de test, il n'y a aucun compromis, on connaît tous la sanction, on finit comme Bart si jamais on n'en fait pas. Quand je vous dis qu'il est extrémiste. Donc, je ne vais pas vous passer les 10 règles que j'impose à mes développeurs quotidiennement. Mais en tout cas, les tests doivent avoir complètement un but. Il y a une stratégie de test, et la stratégie de test est essentielle dans la construction des backends, de façon à éviter d'avoir des surcoûts sur les tests et de recouvrir tous les autres éléments. On reste toujours sur une approche pragmatique. L'approche, on a beau dire que c'est un ayatollah de tests, à la base, notre philosophie, c'est quelque chose qui marche, quelque chose qui nous permet de développer d'une façon pragmatique. Si les règles ne s'appliquent pas, et on sait pourquoi ça ne s'applique pas à notre cas, ça ne sert à rien, on élimine ces règles-là. Il n'y a pas de règles sans exception. À nouveau, la foi, ça suffit au bout d'un moment. Bon, pour tester du Swift, on a besoin sur du Mongo, on a besoin d'avoir des chargeurs qui sont en mesure de charger MongoDB, on a besoin de récupérer des objets attendus pour pouvoir les comparer lors de la phase de test, et on a besoin de récupérer des objets correspondant à leur clé unique, à leur ID Mongo, de manière à pouvoir s'assurer que toutes les opérations sont bien réalisées, du code jusqu'à la base de données. Donc il y a un certain nombre d'outils qui ont été écrits autour de ça, qui se basent sur des fichiers de dataset qui modélisent des structures Swift, des éléments pour charger les collections, et le tout s'interface sur la base MongoDB, en réutilisant les mêmes composants. On a commencé à dire, bon, on va commencer par faire des tests DAO, bon, des tests fonctionnels sur les interfaces, services, tests unitaires, et on a fini par se rendre compte qu'on s'approchait de plus en plus de créer tout un framework de test autour de notre backend. C'est que plus on avançait, plus ça permettait de simplifier les tests. On avait notre framework, il y avait un nouveau service qui arrivait, pop, 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 on appliquait la même logique, ça partait tout seul, les tests étaient écrits rapidement, s'il fallait les modifier, pop, 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 à nouveau c'était la même chose. Donc tous les tests ont les données qui sont injectées. On n'a pas de préchargement de base avec des fichiers à plat auparavant. Les données qui sont nécessaires dans les tests sont écrites dans les tests. Donc là, on a un événement qui est l'événement PimpyBackend Basecamp. On modélise directement le chargement avec le loader qui effectue le chargement de cet événement. Ensuite, on peut jouer avec les tests pour essayer de mettre en défaut le code. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On s'approche beaucoup d'un framework, par exemple dans notre cas. On a des méthodes avec une signature stable, on modifie
on n'a pas grand-chose à faire pour incorporer les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux services à tester. Donc on a avancé, on a déployé notre première version en bêta il y a un mois. Et on s'est dit, oh, ah, c'est très bien, mais il manque encore des choses. Déjà, qu'est-ce qui manque? Une première chose qui manque, c'est que ça soit utilisé pour plus de monde, pour nous aider à voir qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'on peut avancer, si ça s'adapte à d'autres développeurs différents de nous. Donc, déjà, pourquoi intégrerez-vous dans vos projets ce type de solution? Pragmatisme. C'est orienté productivité. Comme je vous dis, c'est tout ce qu'on a codé, on était obligé de le coder le soir, après dîner, regarder la télé. Donc, on avait besoin de produire le moins de lignes de code possible. Il est complètement stable. On ne met pas de dépendance sur un container quelconque. Tout ce qu'on a mis, on est en train de l'utiliser vers l'open source, que ça soit la bibliothèque Sigmongo Bridge qui est déjà en open source, ou ce qu'on a décidé de mettre à fur et à mesure qu'on définit. Le back-end, dont on a déjà trouvé un nom, même s'il n'est pas encore contribué en open source. On n'est pas super fort pour nommer les choses. Donc, un acronyme, c'est Sigmongo Backend is not a framework. C'est plutôt une collection d'outils, une bibliothèque et une façon de construire un backend rapide. Donc, on compte faire avancer ça, on compte les mettre en open source, essayer de mettre les briques qui nous manquent pour à terme avoir un framework, avoir un modèle, un code modèle complet. Ce qui arrive, parce qu'on a un certain nombre d'éléments, des briques qui nous manquent, c'est d'effectuer le monitoring des scripts, des services scripts directement in vivo dans la web app et brancher sur le cloud. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les solutions de monitoring actuellement. Il nous manque aussi faire des tests de séance, mais pas des tests de séance sur nos petits infra à nous. On sait que ça tient parce qu'on a beaucoup travaillé avec Swift, avec Mongo, mais on veut vraiment tester de bout en bout. Donc on essaie de voir, on a vu tout à l'heure avec Nicolas, avec CloudBees, on essaie de voir avec Cloud Foundry pour organiser un vrai test d'escalabilité de la solution et avoir des vraies mesures de performance. Donc on espère que pour la fin de l'été, si tout se passe bien, on pourra avoir des mesures, ça ne sera pas 50 000 objets, mais quelques millions, et ça ne sera pas des objets qui entouffent quelques kilooctets, mais des objets très petits et très grands, avoir un vrai bench de la solution et voir dans quel endroit, éventuellement, il faudrait qu'on fasse des cours de tournevis. Contribuer le TINAF, le framework backend. Et enfin, développer une valve sur les script services de façon à pouvoir effectuer des choix sur la nature des services critiques et non critiques. On sait tous qu'on a des services qui sont plus ou moins rapides, plus ou moins longs. Certains sont extrêmement critiques, d'autres moins. Donc avoir des composants de valve pour pouvoir assurer la bande passante. Exemple classique, si vous avez un service web, une application web, à tous les coups, pour vous, les services d'authentification, c'est beaucoup plus important que des services périphériques qui va te donner la liste des dernières opérations que tu as fait. Si tu n'as pas la liste, bon, tu peux faire patienter les clients. Si tu n'as pas l'authentification, bah, tous les sites en vrac. Avec la technique actuelle, tous ces services-là, si tu savais être surchargé, il va être surchargé partout ou nulle part. On peut tuner au niveau des containers, on peut s'amuser avec son Tomcat ou son JBoss, essayer de donner des priorités ou de réserver des threads à certains servlets, mais ça devient de la bricole. Nous, ce qu'on veut faire, c'est contribuer sur Swift pour permettre à les différents services avoir des pools de billets, en gros, avoir la notion de criticité, pas criticité, lesquels doivent se maintenir et lesquels, si on commence à être faible de ressources, on peut les mettre en proie et continuer à avancer. Et auto-adaptatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas intrusif vis-à-vis de la configuration du conteneur. La règle, c'est le conteneur a un certain nombre de threads dans le connecteur. On n'est pas intrusif là-dessus. On ne veut pas faire de la config server à chaque fois qu'on déploie une nouvelle instance, parce que sinon l'escalabilité tombe par terre. Alors, il y en a un petit projet. C'est lui.
On va faire une petite démo de code. On a le programme du BraceCorp qui a intégralement été modélisé. On a fait une extraction de JSON de BraceCorp. Un petit coup d'expression régulier, on l'a transformé dans les formats qui nous conviennent pour notre base. Donc, les speakers sont trop bons. Ça va être notre guide de test pour cette petite démo-là. Donc, on a un chargeur. On a l'uploader qui est ici. Bon. Sur le chargement du test, on charge tous les événements. L'uploader n'est pas très compliqué. Il se base sur le script MongoLoader qui effectue le remplacement des différents éléments au sein de la structure à la volume. Ici. On a quelques tests. Est-ce que je suis allé sur le site du BraceCorp et on pouvait faire que les recherches by track. Hein. Je suis vraiment bien aimé faire des recherches par salle, par speaker, par. Donc si ça manquait, j'ai implémenté la recherche by track, elle marche. Si on prend le track DevOps, on retrouve ses job ID, on le lance. Non, ça ne marche plus. Ah, c'est sur l'autre écran. Bon. Donc là, ce qu'on a fait, on a chargé les données sur la base. Et ensuite, on l'a requêté, tout ça en utilisant bah, notre backend, on a chargé dans notre base, on requête et on récupère bah, les tracks qui nous convenaient. Là, il y a une autre recherche, c'est que si je voulais les tracks language sur le format Tools in Action du 14 dans la salle OSAN, a priori, ce truc-là n'est pas implémenté, donc on va faire l'implémentation. On va avoir un test en rouge. Bon. Ça, c'est facile de voir ce qui ne va pas. C'est pas pénible. Bon, normalement, on a ça sur des vrais écrans avec des vraies résolutions, ça passe beaucoup mieux. Sur le projecteur, c'est un peu plus problématique. Donc, les objets, vu que ce sont des objets Swift, on peut les lire, ils se serialisent correctement avec des toString. Donc, ils sont assez sympathiques à comparer. Y compris IntelliJ, qui fait l'écran. Bon, ah, non, c'est pas jouable avec la résolution. Donc au final, on a notre DAO, ici. On a le get d'un événement, on a la récupération de tous les événements, et on a la recherche d'un événement. Et dans la recherche, on a uniquement les tracks. Donc, au final, on va rajouter à la query d'autres éléments. Swift vous aide, c'est sur l'autre écran. Hein. Pareil. Donc on veut rajouter le fil date. On disait que c'est intégralement câblé. Là, vous êtes bien. Et on le veut, le mettre ça. Date, c'est un string. On l'ajoute directement. On l'ajoute directement. Non, non et après, on va le copier. Date. On va anticiper ce truc-là. Pour la date, c'est pas plus compliqué que ça. Rajouter un test avant avec guava things.isNewRelativeDate. Pour la date, c'est pas plus compliqué. Pour la rajouter l'heure, on va rajouter également la salle, parce qu'on a le test de salle. Oui, c'est égal.
Oui, t'as manqué un mot. Oui. Oh. On voit que la mère vient d'une école. Une bonne éducation. Exactement. Ceux qui ont fait le C++ lèvent la main. Hommage. Rome. Et on avait encore besoin d'un dernier élément qui était dans le test. On avait le format. On peut rajouter le format. Bon, là, j'attends avec impatience que Guava sorte les listes. On pourra faire la même chose. Et pour l'instant, c'est pas disponible. Format. Guava, c'est notre exemple de pragmatisme pour nous. Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite dans la phase de ne pas écrire de la tuyauterie. Donc là, en termes de performance, ça reste presque aussi bien que si on écrivait, ou voire mieux que si on écrivait nous-mêmes. Tout ça, en termes de rapidité, ça approche à bas d'autres langages un peu plus modernes. Donc pour nous, c'est tout bonus. Bon, c'est le test. Il est toujours en rouge, c'est là que j'ai dû écrire une bêtise. Ouais. Oui, j'ai dû écrire une bêtise. Il y a l'effet de l'est, bien entendu. Sinon, ça ne serait pas imprévu, quand même. Attends, on s'était dit, dans 5 séances, 5 minutes, on va faire de l'air coding. C'est nouveau une de ces idées. Il dit, non, c'est pas possible, si, 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 ça marchera à tous les coups. Ah, c'est pour moi, pour moi, pour moi. Boum, boum, boum. Si, t'as dit que. Oui. Que tu trouves rien. Tu trouves rien. Il balance la roquette. Il balance la roquette et trouve rien. Bon. J'ai ta roquette. Le test est bon. Ah non, le test est bon. C'est pas le test qui m'a fait. Il a rien testé, c'est ça qui est. Sinon, bêtise. Mis à part sa bêtise, tant qu'il la trouve. La idée de base, c'est pour faire ça, on est parti d'un biais de données, de nos briques de base. On a créé notre petit DAO, on a créé un fichier Thrift compilé, créé notre petit DAO avec les fonctionnalités de base. Et on avait un squelette de backend qui marchait. Tout la cour service était fait pour nous, toute la partie. D'être sûr que les services ne sont pas bloqués en entrée, donc que tu peux supporter à minima la charge, c'est Thrift qui l'a fait pour nous. Non, on n'avait pas de pollo à écrire, de conversion, disons, pour le reste, quoi que ce soit, c'est Thrift qui l'a fait pour nous. Derrière, avec des DAO simples, on pourrait faire communiquer ça avec la base de données. Si on veut faire des opérations un peu plus complexes, bah, ce n'est pas plus compliqué qu'écrire les requêtes directement sur MongoDB. Et on n'a pas à nouveau à se soucier de câblage avec notre modèle de données. Bon, on peut faire des modifications, on modifie notre IDL Thrift en régénère, tout est régénéré pour nous. On peut les faire évoluer, on n'a pas besoin que les clients évoluent en même temps. Donc ça remplit bien les objectifs pour lesquels on avait travaillé. C'est même pas curiosité, mais donc Sébastien continue à s'obstiner sur son code. Ouais. À ce stade, on a coupé en frontal. Bon, dans notre cas, on a décidé de faire simple pour le démarrage des projets. On sait qu'au démarrage, on n'aura pas les millions de clients. Donc, on est parti sur un développement en Grails très léger, avec un petit frontal qui met quelques touches de Angular JS et de Twitter Bootstrap pour faire joli. Bon, ce frontal-là, il ne tiendra pas la route quand on aura un million de clients. On s'en fout quand on aura un million de clients. Il y aura le temps de refaire et de construire l'appli mobile à côté, ça c'est pas important. Par contre, le backend, on sait qu'une fois qu'il sera là, il sera solide et on pourra l'adapter. Parce que j'ai beau faire des vannes par rapport au front-end, le développement front-end c'est chouette, c'est super excitant. Donc, c'est un autre argument pour que ton backend soit productif et facile à mettre en route et évoluer, ce n'est pas t'embêter avec lui après et pouvoir te centrer sur produire des codes bling-bling pour la partie frontale. Et bon, vu qu'il arrive,
Non. Non. Ah, d'accord. Ouf. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. On va voir pourquoi. Et en toute façon, on compte mettre tout ça dans, à la disposition et il y aura les liens depuis le site de Bracelinks. Donc, c'était ça que je voulais vous montrer. Et on va finir avec même quelques minutes d'avant, après une soixantaine de slides de live coding, de quoi qu'on a tenu de Paris. Vous avez des questions? Le Swift vous sert pour exposer des services qui sont consommés par Graves, si je comprends. Oui, voilà. Et à quoi ressemblent les classes Pojo du domaine généré par Swift? On va vous montrer, mais en gros, c'est des Pojo avec plein de méthodes et de metadata, plein de méthodes et des attributs privés qui te permettent, juste par exemple, de lister tous les attributs sans devoir faire de l'introspection, de connaître les noms de toutes les méthodes. En gros, c'est ça qui favorise une sérialisation de sérialisation rapide. Alors ça, c'est une classe qui a été générée par Swift. Donc on y retrouve d'abord donc, les défis, à savoir de quoi est composé l'objet. On y retrouve des attributs conventionnels. Ce qu'on a décrit dans l'IDL. Bonjour. Des inspecteurs, des modificateurs, mais surtout des attributs ISTAT. Donc ça, c'est très pratique pour la partie rétrocompatibilité. On peut savoir si un champ a été passé ou pas dans la sérialisation. C'est ça qui vous permet, si votre client ne change pas, mais votre serveur, oui, tu détectes dans ton code business que le client est sur l'ancienne version, tu lui donnes les bonnes choses. Mais de protocole, bah, il peut t'envoyer un jet de données en complet, tu vas savoir les traiter niveau protocolaire. Et donc ça, c'est la couche de sérialisation qui est rajoutée en plus, avec une méthode read et write, dans laquelle on y passe un protocole. Et pour chaque champ, il détermine la manière dont il effectue les appels au protocole utile. Ça, c'est les polyos générés, bien entendu, pour Java. Après, dans d'autres langages, la génération change et juste cela, sa force, ça s'adapte à la façon avec laquelle le langage permet de décrire les données, de se réaliser rapidement. Il y a des implémentations en JavaScript qui sont assez dures à lire, par exemple, mais que te produisent JavaScript très rapide, même chose avec PHP et Python. C'est grâce à ces couches de méthodes de read et write qu'on permet d'être plus rapide. Moi, j'avais fait du protocole buffer, c'est à peu près pareil, pour le projet. Mais l'inconvénient, c'est que ça oblige, on ne peut pas faire porter de métier du tout aux objets, on est vraiment obligé d'avoir tous les traitements en dehors. Quoi. Oui, pour nous, on part de la base que pour nous, et les objets, c'est un modèle de données. À terme, on voudrait, même si on n'avait pas utilisé Swift, on serait parti sur des polios, c'est-à-dire sans intelligence. Ces polios-là, ils sont traités ensuite par des classes métiers qui, sur les objets, ils connaissent les métiers et font les résultats. Donc, on envie, personnellement, cette séparation entre les objets et l'intelligence qui va autour de ces objets-là. Oui? En fait, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'au niveau de Swift, il y a moyen d'assurer des versions d'appels service, de fonctionnalités. Par contre, dans notre service métier pur et dur, dans ce qu'on a programmé, on est quand même obligé de gérer les deux cas. Voilà. Ça veut dire que si tu veux changer et assurer une rétrocompatibilité propre, il y a une contrainte au niveau protocole. Tu ne modifies pas les attributs existants des objets. Il ne modifie pas la signature de méthode déjà existante. Il peut ajouter de nouveaux objets, par exemple, il peut modifier le contenu d'une request en disant que tu as un nouveau objet que mis. Au niveau protocolaire, ça va passer. Et c'est à toi, dans le niveau business, de dire que le niveau de support, tu vas faire pour les anciennes versions. Donc, en gros, en utilisant tous ces champs ISET que Seb vous a montré, vous pouvez détecter si les nouveaux champs sont présents et dans ce cas-là, tu peux router vers la nouvelle version de service. Si les nouveaux champs ne sont pas présents, tu envoies vers l'ancienne version de service. La seule chose qu'il te demande, c'est quand tu reçois l'objet, va faire le test pour vérifier dans quelle version tu es et router vers là-bas. Mais niveau protocolaire, la couche qui fait qu'il reçoit l'appel de ton client et que te transforme dans des objets, tu ne vas pas avoir besoin de changer. Donc, si en faisant ce petit effort, avec un seul même point d'entrée, il va pouvoir recevoir les requêtes de toutes les versions de ton client. C'est une condition. Ne jamais changer des éléments qui sont déjà déployés. Il faut que l'élément 3, c'est une chaîne
pour les rooms, il faut que cet élément 3 reste toujours sain. Mais si tu ajoutes un élément sain que machin bidule ta nouvelle room, bah, ça va aller. Niveau protocolaire, il va te produire des objets valides avec les deux versions. Non, on ne peut pas en supprimer. On peut ne plus en utiliser, mais on ne peut pas en supprimer. Il y a des éléments optionnels aussi. Oui. Il y a des éléments optionnels, mais ils ne sont pas traités pareils dans tous les langages, parce que certains langages n'acceptent pas les notions d'optionnels bien faites. Donc nous, on a pris le cas de ne pas déclarer des éléments comme optionnels. Limite, on les met dans un commentaire dans l'IDL, mais pas utiliser les mots clés optionnels parce que ça nous pose plus de soucis sur le long terme que ça n'est pas. Et on peut pas, le problème de l'optionnel, c'est qu'on peut pas passer de quelque chose de non optionnel à optionnel, et vice versa. Ça effectue une rupture protocolaire parce que la validation de si quelque chose est optionnel ou pas est effectuée au niveau du client. Et ça, c'est fortement gênant. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention quand on utilise la notion d'optionnel dans Swift. Est-ce que le contrôle d'option est réalisé au niveau du client ou au niveau du serveur? En tout cas, Swift nous donne plein d'avantages pour ça. Personnellement, il y a un inconvénient, et là, bah, pour être honnête, il faut aussi le dire, c'est dans ta description de tes données, Swift ne supporte pas l'héritage. Il supporte une composition des objets pour être composé d'autres objets, mais la notion d'héritage, il n'est pas supporté. Pourquoi? Parce qu'au cœur de Swift, Swift veut produire des codes pour plein de langages, beaucoup d'entre eux, ce n'est pas des langages objets. Donc, il ne peut pas mettre une notion d'héritage au cœur de la description de CDL. Le prix à payer, on sait que des fois, bah, tu vas te retrouver avec des objets semblables, mais tu vas devoir mettre tous ces champs quand même sur ces objets-là. En termes pratiques, c'est presque plus gênant en termes philosophiques qu'en termes pratiques, mais c'est la seule limitation de ce truc-là qu'on a trouvé. Et sachant que Swift, on travaille déjà côté professionnel depuis 4-5 ans. 5 ans, ouais.